poser mon cœur. De toi je veux apprendre, transforme mon être entier pour proclamer ton amour et ton salut. To the Lord, the Almighty, the King of
salvation. And all ye who hear, now to his temple draw near. Praise him in glad adoration. And mercy here daily attending. Ponder anew what the Almighty can do. If with his love he befriend
Bonjour Rinseg. Bonjour Doudou. Rinseg, bonjour. Bonjour Simone. Bonjour Filoska. Doudou, vous allez bien? Bonjour Rinseg. Bonjour Simone. Bonsoir. Bonsoir Michose. Bonsoir. Vous savez, avec la technologie, c'est bizarre. J'ai l'impression que tu parles, mais malheureusement, le son ne nous parvient pas jusqu'au studio. Le temps que la technicienne fasse les arrangements nécessaires, et puis nous serons en onde. Donc, vous ne m'entendez pas pour le moment. Vous ne m'entendez pas. Patience, mon ami. La voix patience. Est très basse. OK. Non, ça ne sort pas. Moi, je t'entends. Ah, au moins, il y a une oreille pour m'entendre. Mais la voix est très basse, mais on t'entend quand même. OK, bien, on attend la technique. Oui. Doudou, est-ce que tu nous entends? Je crois que Doudou ne nous entend pas les trois. J'ai l'impression que ça passe maintenant. Hein? Est-ce que le son est meilleur? Non, ça ne va pas encore au studio. Non, ça ne va pas encore. C'est ce que j'aime avec la technologie. Ah oui, est-ce que tu m'entends au moins? J'allais dire comme une femme, je risque de me faire attraper par ces deux beautés qui sont avec nous. Alors, je ne cours pas ce risque, surtout cet après-midi. Regarde à toi. Où est la question de poésie, où est la question d'art, de culture, chanson, de belles choses, non seulement la nature et puis les êtres. Tu vois, ce privilège que j'ai, c'est que je peux improviser comme je veux, parce qu'on m'entend, mais vous autres... Et tu ne m'entends pas? Moi, je t'entends très bien, Simone. Vous autres là-bas, on ne vous entend pas vraiment. Maintenant, si toutefois il vous arrive d'émettre un son qui puisse être audible, alors fais-le. Dis-nous, technicien, est-ce qu'on peut aller? Technicien, est-ce que vous m'entendez? Ah là, ça commence à venir. Ça, c'est une voix féminine. Tu vois, la technologie, elle est capricieuse, c'est vrai, mais aussi elle a des goûts vraiment, je ne dirais pas bizarre, mais elle sait ce qu'elle veut. Sitôt que Simone commence à parler, et puis voilà. Alors, je me tais parce que je pense que c'est à Rinseg qu'il revient l'heureux privilège d'ouvrir les débats, Rinseg. Vas-y, cher ami. Vas-y. Si tu savais combien ils sont nombreux, les auditeurs, à vouloir savoir et à être impatients. Pour savoir ce qui va suivre. Rinseg, à toi l'honneur. On m'entend? Oui. Ça passe maintenant? Presque 5 sur 5. Eh bien, on va commencer après 0, 3, 2, 1. Ah, c'est le coup. C'est ce qu'elle avait de nous étonner. C'est le coup d'envoi. Oui. Zéro, c'est parti. Voilà. Parlez donc. On va recommencer. Le compte à rebours. Oui. Mm-hmm. Deux, un. Mm-hmm. Zéro. C'est parti. Vas-y. Parler d'Orem s'apparente à la légende ou au mystère pour ceux qui n'y ont pas vécu. Horeb relève du merveilleux, de l'épique. Seuls ceux qui ont vécu à Horeb peuvent comprendre ce mystère qu'est Horeb pour les autres. Ce soir, nous avons l'occasion de vivre avec nos amis une nouvelle tranche de vie qui leur permettra d'apprécier ce qu'est Horeb. Horeb, si on voulait lui trouver une rime, ce ne serait pas parmi les 15 mots de la langue française qui se terminent par eb, comme acheb, careb, cubeb,
ni Éphèb, Greb ou Joeb, ni non plus Maghreb, ni Koseb, Peb, Teb ou Treb, ni même Web ou Zagreb. Ce serait de préférence Pleb. Horeb, au pied du fort Mercredi, n'était pas dans l'un des quartiers les plus prisés de Port-au-Prince. Pourtant, Horeb s'est élevé comme un nénuphar. Cette fleur particulière qui pousse dans la boue et qui conserve sa blancheur. Horeb aussi était ou est encore un phare dans la nuit, un phare qui éclaire, un phare qui montre le chemin. Et des centaines de jeunes ont suivi ce chemin et nous faisons partie de ces jeunes. Horeb est un incubateur d'ambition. Lorsque l'on a vécu à Horeb, eh bien, on voit la vie autrement. Saint Augustin, dans ses mémoires ou dans ses confessions, parle aussi de mémoire. Et les jeunes d'Horeb, sans avoir particulièrement lu Saint Augustin, ont appris à exercer leur mémoire. Ils ont chanté. Vous allez apprécier les voix ce soir. Ils ont dit des poèmes que vous allez également apprécier. Et parmi les poèmes qui ont été dits à Horeb, les auteurs du 19e siècle français ont eu une place particulière parce que, à l'instar de ces écrivains, de ces poètes, les jeunes d'Horeb sont des romantiques, sont des jeunes chrétiens romantiques. Et avec ces auteurs, les jeunes d'Horeb ont chanté les grands thèmes de ce 19e siècle, comme l'amour avec Victor Hugo, par exemple, lorsqu'il écrit « Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré ta douce haleine, de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie, puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire les mots où se répand le cœur mystérieux, pour finir par votre aile en le heurtant, ne fera rien répandre du vase où je m'abreuve, et j'ai bien rempli. Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre, mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli. » C'est aussi Victor Hugo, pour le garder sous le coude, qui a chanté la tristesse. Une tristesse qui n'est pas angoissante. Une tristesse poétique, comme dans Océanonox, par exemple. Oh, combien de marins, combien de capitaines sont partis joyeux pour des courses lointaines. Dans ce morne horizon se sont évanouis. Ou bien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, pour achever ce texte par « Ô mer, que vous saviez de lugubres histoires, mer profond, redoutée des mers à genoux, vous nous les racontez en montant les marées, c'est ce qui vous fait ces voix désespérées que vous avez en montant vers nous. » Ou bien Lamartine, tout simplement, Lamartine qui chante la patrie. Nous sommes des jeunes haïtiens, ou dans mon cas, un vieil haïtien. Nous sommes restés attachés à ce pays. Et le thème de la patrie a un sens particulier pour nous. Lamartine, lorsqu'il chante, par exemple, sa terre natale, pourquoi le prononcer ce nom de la patrie?
dans son brillant exil. Mon cœur en a frémi, il résonne de loin dans mon âme attendrie, comme les pas connus ou la voix d'un ami, chaumière où du foyer étincelait la flamme. Toi que le pèlerin aimait avoir fumé, objet inanimé. Avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Ou Dieu était au centre de la poésie du 19e siècle. Et je me souviens avec délectation et avec un peu de pincement au cœur également, de ce texte que j'ai eu moi-même à dire au Conservatoire national d'art dramatique, où mon frère Néhémie m'avait en quelque sorte traîné, et il y a 40 ans, cette année, que Néhémie est décédé, et je lis ce texte, le verbe lier, je lis ce texte à la présence de Néhémie, parce que c'est grâce à lui que je l'ai appris, stance de Lamartine, et j'ai dit dans mon cœur, que faire de la vie? Irai-je encore suivant ceux qui m'ont devancé, comme l'agneau qui passe où sa mère a passé? Et quelque part dans ce texte, il dit, la terre m'a crié, qui donc est le Seigneur? Celui dont l'âme immense est partout étendue, celui qui d'un seul pas mesure l'étendue, celui qui de tout temps de soi-même s'enfante et qui vit dans l'avenir comme à l'heure présente et rappelle les temps échappés de ses mains, celui qui sur le vide a fondé l'univers, celui qui du néant a tiré la matière, c'est lui, c'est le Seigneur. Les jeunes d'Horeb ont bercé leur auditoire avec des textes qui ont été triés sur le volet. Mais Horeb, c'était aussi un lieu d'accueil. Horeb a accueilli des amis d'autres églises qui sont venus exercer leur talent. Et en tant que phare, Horeb a inspiré aussi d'autres églises. Ce soir, nous voulons lever un pan du voile. Vous dire qu'Horeb n'est pas un mystère. Horeb n'est pas une légende. Horeb, c'est une réalité. Et vous pouvez vivre ce que les Horébiens ont vécu dans leur jeunesse. Je dis bien Horébiens. Et je le dis avec délectation. Ce matin, en suivant le programme dans la prière de l'école du sabbat, notre ami Max Néret a, si j'ai bien compté, 3 fois cité le mot Horébien. Et je me suis posé cette question. Y a-t-il d'autres églises où les membres ont fait du nom de leur communauté un nom commun dont ils se réclament comme les Horébiens se réclament d'Horeb? Un homme qui est devenu mon ami, le pasteur Amos Bossou, a eu à me dire au moment où je laissais Haïti, mon cher Ranseg, j'ai l'impression qu'Horeb est une religion dans la religion. Mais avec le temps, je me dis, ce n'est peut-être pas une religion dans la religion. Mais Horeb, c'est une patrie dans la patrie. On est Horébien et Haïtien. Et je pense qu'il est difficile de choisir entre les deux. Alors nous sommes Horébiens Haïtiens. Ce soir, les Horébiens Haïtiens vont partager avec vous un moment de réjouissance. Vous serez confié à la roulette. Non, je préfère dire baguette. À la baguette de 3 chefs d'orchestre. Toi, maître de cérémonie. Est-ce que je commence par celle qui est vraiment chère à mon cœur?
Je vois le sourire de Sylvie. Je vois. Sylvie, de ne pas pouvoir le faire. Hein. C'est moi qui parle pour le moment et je commence par Simone. Et Simone, que j'appelle l'éternel printemps. Je veux que vous sachiez que quand je parle des 40 ans que nous avons passés à Horeb, l'un des mystères que je veux vraiment étendre sur le programme de ce soir, il se peut que Simone n'ait pas été née à ce moment-là. Parce qu'il est inimaginable de penser que Simone puisse avoir plus de 40 ans. Simone, c'est un éternel printemps. Et ce soir, nous accueillons une jeune, un nom révélateur, Miche, comme une miche de pain, et Rose, Miche Rose. Elle sera aussi maîtresse de cérémonie. Et puis un homme que j'ai vu ce matin. Et lui, il a plus de 40 ans, mais il ne les fait pas. Je l'ai regardé ce matin et je me suis dit, cet homme s'embellit jour après jour. S'il est permis à un homme de dire qu'un autre homme est beau, ou bien en tous les cas, s'il n'est pas permis à un homme de dire qu'un autre homme est beau, je prends la permission. Je prends le droit de dire que mon ami et Benjéwom, Doudou pour les intimes, maître de cérémonie des maîtres de cérémonie, eh bien, est pratiquement aujourd'hui le plus bel homme que je connaisse. Et vous aurez l'occasion d'apprécier ses beautés et la dextérité de ses maîtres de cérémonie pendant toutes ces soirées. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous font l'honneur de partager cette soirée avec nous et je vous souhaite beaucoup de plaisir parce que lorsqu'Horeb met les petits plats dans les grands, c'est pour faire plaisir à ses invités. Bonne soirée à chacun de vous. Merci Rostek, c'était vraiment gentil de ta part. Mais nous allons prier pour commencer le service de cet après-midi. Alors je vous demande de baisser la tête et nous allons prier. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour la vie, merci pour ta présence parmi nous, merci pour Jésus qui est mort sur la croix pour nous sauver. Merci d'avoir permis cette rencontre. Merci pour Horeb, notre chère église d'Horeb. Tu nous as permis de grandir dans une église où ta présence s'est fait sentir. Nous avons grandi dans la chaleur de l'amour des pionniers d'Horeb. Et nous avons grandi dans la chaleur de ton amour. Ce soir, alors que nous allons présenter un bouquet de fleurs, nous voulons te la présenter d'abord. Nous voulons te présenter ces fleurs parce que tu es notre Créateur, tu es notre Rédempteur, tu es notre Sauveur. Et nous te remercions pour toutes tes grâces et toutes tes faveurs. Sois avec chacun de nous ici présents, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Yeah.
Merci. Je me suis demandé s'il fallait donner un titre à ces deux premières parties ou les trois morceaux. Je les appelle des morceaux, hein, des morceaux choisis. Eh bien, pour ce que vient de nous servir notre cher ami docteur Anseg Théodore, peut-être que je dirais Florilège. Et pour cette prière qui nous a élevés, qui nous a présentés à Dieu, je dirais cœur ouvert ou bien encore offrande. Mais pour ce morceau spécial, classique, j'en connais le titre, mais je risque d'écorcher la prononciation. Voilà pourquoi je demanderai aux oreilles chastes, ceux qui parlent l'italien, de ne pas se formaliser. Le titre en lui-même, c'est « Va pensiero a sul ». Je crois que Nana Mouskouri l'a interprété sous le titre de « Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté », quelque chose comme ça. Mesdames et messieurs, nous ne saurions trop remercier notre ami pour cette sublime présentation de nous autres. Mais juste avant, nous tenons à vous dire que ce programme, ce récital, c'est un programme spécial qui n'est pas simplement offert par des adventistes du septième jour. Nous avons des amis invités qui nous viennent de toutes les strates de la société et aussi de toutes les autres religions, mais des gens bien, des gens présentables et qui vous seront présentés d'ailleurs et que vous allez apprécier lorsqu'ils auront à faire la démonstration de leur art. Cependant, la toute première que nous vous présentons, elle est adventiste, née, elle est adventiste du septième jour. Mais avant, bien que je le fasse, permettez que je dise à mes coéquipières, bonsoir Simone. Bonsoir Doudou.
Ce chant de Nancy me rappelle bien des souvenirs. C'est le chant qu'on décidément, a chanté pour ma graduation. Donc, dès que j'entends ce chant, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça me remet, je ne vais pas dire combien de temps en arrière, mais... Je peux comprendre. C'est facile à comprendre. Nous avons une jeune amie, une autre amie avec nous. D'ailleurs, quand ça en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est... Tu sais de qui il s'agit? Philosca. C'est bien moi. Bonsoir Philosca, comment vas-tu? Miss Rose. Nous on vient dire Miss Rose, c'est plus sympa. Et ça fait plus poétique également. Bien, bonsoir Miss Rose. Bonsoir Doudou. Ça va bien de ton côté Miss Rose? Écoute, ça va très bien. Eh bien Miss Rose... Pardon? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Oh, vas-y, je t'entends là maintenant. Ah, super. Alors oui, c'est un plaisir d'être là. Miche Rose, mon prénom, Philosca, du nom de famille. Et même moi, d'être ici ce soir, c'est un privilège. Je suis du Canada et de me sentir aussi près de tout le monde grâce à l'Internet, que nous soyons en Haïti, aux États-Unis ou encore au Canada, on est proche ce soir grâce à la beauté de l'Internet qui nous réunit tous pour ce beau programme. Donc, c'est un plaisir de me retrouver avec vous aujourd'hui. Eh bien, ce soir, Simone et moi, nous te prenons à bord. D'ailleurs, c'est que tu as déjà invité. Hein? Tu vas vite oublier le froid du Canada parce que nous allons te réchauffer. Nous allons commencer d'abord avec ce poème. Il est vraiment superbe. C'est un poème qui a été écrit par, je crois, Alfred de Musset et qui s'intitule « Le Pélican ». Qui raconte l'épopée de cet oiseau qui cherche le chemin du retour, le retour à la maison, le retour à son nid, à ses roseaux, à travers des brouillards épais d'une nuit interminable. Ses fils l'attendaient, mais qu'avait-il à leur offrir? Rien que ses entrailles qu'il déchirait, parce qu'il ne leur avait rien apporté. Qui va dire ce poème? Ce poème, c'est un poème émouvant, mais qui va aussi être, dans la version déclamée par une voix tout aussi émouvante d'une diseuse que je qualifie d'exceptionnelle, qui a le mérite de savoir se mettre dans la peau de l'auteur ou des auteurs qu'elle choisit. Elle s'appelle Nancy. Je la connais comme un troubadour de la poésie parce qu'elle promène sa verve sur toutes les pages blanches des sentiments inavoués et de toutes les saisons nouvelles. Une voix qui vient du cœur avec une pose magistrale. Vous aurez le plaisir de savourer ces vers dans un instant. Qui annonces-tu, Simone? Moi, j'annonce un poème à un jeune homme. Quel jeune homme? On ne sait pas bien. Mais c'est le souhait d'un père à son fils. Il lui dit, n'oublie pas que devenu grand, tu auras à faire des choix quelquefois difficiles. Mais rappelle-toi que ta force est dans le respect et l'amour. Ne te laisse pas emporter par la colère et accepte tes torts. Alors, tu seras un homme, mon fils. Docteur Leslie Théodore va nous déclamer ses vers. Mais et toi? Miche Rose, que vas-tu nous dire? Qui vas-tu présenter? Je souhaite que des difficultés techniques ne t'empêchent de nous présenter. Oui. Tu es là, Miche Rose? Mais voyons. Donc, j'étais sur mute, vous m'excuserez. On m'entend maintenant? Tu as déjà tout excusé. Oui. Excellent, merci. Alors, j'aurai à présenter après ces poésies un beau morceau musical qui date des années 1800, plus précisément en 1857, un morceau du titre en italien « Merci di lette amici ». En français, on le traduit par « Merci jeunes amis ». Alors, on aura le privilège d'entendre ce beau morceau après ces poésies.
Mais juste mais avant, juste avant, ce morceau, juste tu sais avant, que... Il aura la poésie, que ferais-je sans amour? Absolument rien ne peut faire sans amour. Effectivement, qui sera présenté par Doudou, pas vrai? Oui, si tu veux, c'est un privilège pour moi de présenter celle que j'ai connue depuis longtemps au rêve, qui a grandi avec sa voix, qui chante les vers, qui chante la poésie, qui chante tout. C'est celle de Charmante Lessidelle, qui se demande qu'est-ce qu'elle ferait sans amour. Absolument rien, je réponds déjà à sa place. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, internautes, tandis que nous sommes en train de souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami, notre pasteur Gary d'Haïti, nous lui demandons d'accepter ces quatre morceaux, le pélican à un jeune homme, que ferais-je sans amour, et ensuite cet intermède musical, merci d'être à Michi, comme cadeau d'anniversaire, et à vous, nous souhaitons une bonne audition. Poète, ta douleur est à Dieu. Quel que soit le souci que ta jeunesse endure, laisse-la s'élargir, cette blessure que les noirs séraphins t'ont faite au fond du cœur. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Écoutez. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage en le voyant au loin s'abattre sur les eaux. Déjà, croyant saisir et partager leur proie, ils courent à leur père avec des cris de joie en secouant leur bec sur leur goitre hideux. Lui, gaillant appalant une roche élevée, de son aile pendante abritant sa couvée, pêcheur mélancolique, le sang coule à grands flots de sa poitrine ouverte. En vain il a des mers fouillé la profondeur, l'océan était vide et la plage déserte. Pour toute nourriture, il apporte son cœur. Sombre et silencieux, étendu sur la paillère, partageant à ses fils ses entrailles de père, dans son amour sublime, il berce sa douleur et regarde couler sa sanglante mamelle. Sur son festin de mort, il s'affaisse et chancelle, ivre de volupté, de tendresse et d'horreur. Mais parfois, au milieu du divin sacrifice, fatigué de mourir dans un trop long supplice, il craint que ses enfants ne le laissent vivant. Alors, il se soulève, ouvre son aile au vent, se frappant la poitrine avec un cri sauvage, il pousse dans la nuit un si funèbre adieu que les oiseaux des mers désertent le rivage et que le voyageur, attardé sur la plage, sentant passer la mort, se recommande à Dieu. Poète, c'est ainsi que font les grands poètes. Ils laissent s'égayer ceux qui vivent qu'un temps et les festins de mort qu'ils offrent à leur fête ressemblent la plupart à ceux des pélicans. Quand ils parlent ainsi d'espérance trompée, d'amour et de douleur, de tristesse et d'oubli, ce n'est pas un concert à dilater le cœur. Leurs déclamations sont comme une épée. Elles tracent dans le ciel un cercle éblouissant. Mais il y répand toujours quelques gouttes de sang. À un jeune homme, lorsque des voluptés la traite sollicitent, que leur charme troublant fascine ta raison,
Jeune homme, aux faux amis dont l'exemple t'invite, constant dans ton repos, sache répondre non. Non, non, je n'irai pas dans votre folle ivresse dissiper de mon cœur les trésors précieux, flétrir dans les plaisirs les fleurs de ma jeunesse et jeter mon amour aux quatre vents des cieux. Non, non, n'attendez pas que ma voix vous réponde. J'imposerai silence au désir de mon cœur. Me conservant pur des souillures du monde, je mettrai le devoir au seuil de mon bonheur. La femme de mon choix, la vierge tendre et fière, qui voudra partager mon travail et mon pain, devenir pour mes fils ce qu'est pour moi ma mère, et me donner à moi son cœur avec sa main. Celle qui me dira s'enflammant de ma flamme, ton nom c'est mon nom, ton Dieu c'est mon Dieu, car ton but c'est mon but. Celle-là, ce n'est pas dans l'escorte brillante de vos vaines beautés que je la chercherai. C'est un don du Seigneur qu'une femme vaillante, au Sauveur confiant, je la demanderai. Jeune homme, parle ainsi. Fuis les amours volages. Jaloux de ta pudeur et de ta dignité, conserve sur ton front, sous tous les persiflages, la candeur et l'éclat de ta virginité. Et quand sur ton sentier brillera le sourire de celle que le ciel prédestine à ta voix, oui, tu pourras lui dire en lui tendant la main, « Voici, je t'offre un cœur aimant qui s'est gardé pour toi. » Le chant qui suit est titré « Merci ». C'est un chant en français et en italien. Merci. Merci, Jean. Thank you.
réveille ses amours. Je vis d'une force assurante, vivante, qui a vu naître l'univers. Je l'écoute, je le crois. La nature me parle souvent que l'amour est très grand. Le vent fait chanter les arbres et j'entends cette douce mélodie qui me vient de l'espace m'interroge sans cesse. Que serais-tu sans amour? Je puise ma vie dans le sang, on me traite comme rien, j'existe pour les miens. S'ils m'exploitent, s'ils m'en veulent, je vous assure c'est pour rien. Mes amis et ceux qui me disent je t'aime ne sont jamais miens. Si mon cœur veut vous offrir tout son amour, croyez-moi, c'est sans intérêt. Vous ne m'aimez pas, je le sais. Mon amour est à tous. Je ne veux rien en échange. L'amour comme héritage, c'est tout ce que vous voulez. Tenez, ramassez vite votre salaire, votre marchandise. Vous ne devez pas le gaspiller. Prenez-le aux enchères pour un plan de voyage. Les rongeurs me ruinent, mais enfin, je suis morte par amour, j'ai vengé par amour, plus forte que vos tyrannies. Si je vis malgré tout, sans gloire, sans flamme, pliée sous vos lourdes blasphèmes, me voici, malheureuse mais fière. Ma destinée est tracée, mon amour a triomphé, et que nul ignore, j'ai gagné par amour. Il s'appelle Michel Coast. Il est un prêtre, auteur de plusieurs ouvrages, de merveilleux ouvrages, dont l'un de ses ouvrages s'intitule « Prière ». Prière dans lequel le Roland Élie a extrait un merveilleux texte « Visage ». Un visage qui a obsédé l'auteur. Un visage qui représente pour lui un long cri et qui bouleverse le poète dans sa tranquillité. Vous aurez le privilège d'auditionner ce merveilleux texte dit par Roland Élie, Visage. Mais dis Simone, est-ce que Visage se trouve dans les chrysanthèmes? Peut-on retrouver des traces du visage dans les chrysanthèmes, Simone? Bien sûr, je m'excuse, bien sûr qu'on peut retrouver des traces de visage dans les chrysanthèmes. En France, par exemple, ils utilisent les chrysanthèmes dans l'amour, malheureusement. Mais ce sont de très belles fleurs. Et ces fleurs ont un langage particulier. Par exemple, un chrysanthème jaune symbolise un amour absolu, un amour qui touche à la perfection. Un chrysanthème rouge est synonyme d'un amour intense, un amour vrai et présent. Un chrysanthème blanc est le symbole d'un amour pur, un amour détaché de toute autre pensée. Et lorsqu'on offre un chrysanthème rose, on veut signifier un amour naissant ou une relation qui se transforme en amour. Richard Brisson, quand il a écrit ce poème, voulait combiner les quatre saisons. Et Richard Brisson avait compris le symbole de cette fleur. Il a tellement aimé sa patrie qu'il a donné sa vie pour Haïti. Donc, Nancy Dimanche, dans le poème « Les chrysanthèmes », et on peut se retrouver dans ce poème « Les chrysanthèmes ». Oui,
Charles Brisson a donné sa vie pour sa patrie. Déception, oui. Mais déception qui n'est pas similaire à celle que Moïse a connue. Déception ou encore trop pressé, pas dérivé. Moïse, nous tous connaissons qui est Moïse. Attends, cela pourrait prêter à confusion. C'est notre Moïse, le grand Moïse biblique, trop pressé pour le dériver dans la terre promise. Il fait exactement ça, l'Éternel va demander le faire. Et puis, la terre promise est là, à deux pas de lui-même. Il n'est pas de guet arrivé là-dedans. Malheureusement, la déception de Moïse, ça nous arrive tous. Tu l'as bien dit, malheureusement. Nous faisons la même chose. Nous nous pressons de faire quelque chose que le bon Dieu n'a pas demandé. Et aussi, on a Élie. Le bon Dieu ne lui a pas demandé d'aller, de laisser la ville. Il est parti. Il a... En fait, tu sais, Élie a été à Horeb. Quand il s'est enfui pour, échapper à Jézabel, où il s'est réfugié au mont Horeb. Tu ne le savais pas. Hein? Tu as déjà entendu. Attends, Simone, est-ce que tu as déjà entendu Margaret Levé déclamer des vers? Oui, oh oui, bien des fois, plus d'une fois. Elle fait de sa poésie, de la poésie, sa passion. Elle se promène avec la poésie comme le guitariste qui se promène avec sa guitare sous le bras. Elle est une femme simple, mais la simplicité trouve sa complexité dans sa foi et aussi dans son amour pour la poésie. C'est elle qui nous dira la déception de Moïse ou trop pressé, pas dérivé. Mais il faut attendre, hein? Il faut attendre. Michrose. Parce que Michrose va nous dire bien quelque sûr. Chose d'autre, elle. Michrose, il faut attendre. Je suis là et j'aime vous entendre parce que vraiment, lorsqu'on est trop pressé ou on arrive peut-être à un certain port, mais est-ce le bon port? Alors on dit attends et laisse passer le temps. Et de ce beau texte qui nous sera présenté ce soir, on parle de le pouvoir de la patience et du temps. La patience, quel mot que j'aime avec mes trois enfants ici. La persévérance sont de bonnes travailleuses. Le temps qui passe, c'est un faiseur de miracles. J'en prends note pour ma propre vie. Et ce soir, « Attends et laisse passer le temps » est un poème qui sera déclamé par Marlène Florestal. Et Marlène, on lui rend tout honneur ce soir car elle est membre de l'association qui a aidé à la réalisation du programme que nous sommes en train de vivre ensemble en ce moment. Mais tu sais, Michel, et pour clore cette partie, ce sera le Summer Time de l'opéra avec Evangeline NG. Mesdames et messieurs, pour vous, Roland Eli dans Visage de Michel Coast, Nancy Dimanche, ce poème de Richard Brisson, Les Chrysanthèmes, Trop pressé pas dériver, c'est avec Margaret Léveillé, et ensuite Attends et laisse passer le temps. On ne sait jamais, cela nous permettra d'arriver jusqu'au summer time. Bonne audition. Visage par Michel Coast, interprété par Roland Eli. Ce visage, Seigneur, m'a obsédé toute la soirée. Il est un reproche vivant. Un long cri qui m'atteint en ma tranquillité. Il est jeune, Seigneur, ce visage, et pourtant les péchés des hommes se sont acharnés sur lui. Voici ce pauvre visage d'homme comme un livre ouvert, le livre de la misère et du péché des hommes, le livre de l'égoïsme, de l'orgueil, de la lâcheté, le livre des cupidités, des sensualités, des démissions, des compromissions. Le voici comme un cri de révolte, mais aussi comme un appel déchirant. Seigneur, ce visage m'obsède, il me fait peur, car avec moi je l'ai fait ou laissé faire. Et j'ai pensé, Seigneur, que ce garçon était mon frère et qu'il était le tien. Qu'est-ce que nous avons fait de membres de ta famille? Et je pense qu'à la fin des temps, tu feras défiler devant moi tous les visages des hommes, mes frères.
et je lirai dans leur visage la ride que j'ai creusée, la bouche que j'ai tordue, la grimace que j'ai sculptée, le regard que j'ai obscurci et celui que j'ai éteint. Ils viendront tous, inexorables, s'exposer à moi. Ils viendront, ce que j'ai connu, ce que je n'ai pas connu, ceux de mon temps et les autres. C'est alors, ô Seigneur, que tu me diras, c'était moi. Seigneur, pardon pour ce visage qui m'a condamné. Seigneur, merci pour ce visage qui m'a réveillé. Nous rêvions d'ériger un printemps à la démesure de ta candeur pour mieux greffer la mienne aux jeunes pousses de la saison nouvelle. Mais sur tout l'hémisphère, ce jour-là, il a plu. Tant et si bien que l'hiver, père dans le nord, fit entendre sa chanson. Il y était question de soleil éteint, dont on avait oublié le nom depuis longtemps, et qui ne revivrait que lorsqu'un chrysanthème soufflerait un mot d'amour à l'oreille d'un enfant. Il a fallu que la chanson soit bien triste pour nous écorcher vifs. Tu t'es brûlé les doigts à l'incandescence de l'été. J'ai pleuré avec les branches tout ce qu'il faut de feuilles mortes pour qu'on parle d'automne. Et si ce soir, il manque de fleurs aux tiges pour engendrer un croissant de lune, c'est que les chiens, en hurlant à la mort, auront jeté la zizanie entre l'arbre et l'écorce. Voilà. J'allais dire, n'en parlons plus, veux-tu? Mais déjà les mots nous arrivent à l'envers, pervers, sur des brisées de symphonies inachevées, pour nous apprendre qu'un éternel amour ne se façonne pas, mais éclot, simplement, comme le fait un chrysanthème. Ainsi, nous avons construit de longues nuits, de nuits mortelles. Toi, agrippé à la hargne, moi, à la haine, tous deux pendus aux cordes d'une harpe muette. Un beau matin, le t'ai-je dit, tu trouveras que mes lèvres ont un goût de fiel. C'est que j'aurai entamé la longue marche vers l'irréel et ton goût de l'absurde n'aura plus force de loi. Tu pleureras, pensais-je, et moi aussi. Mais voilà que déjà, j'éplore encore l'insolite de ta présence. Et mes bras s'ils se referment pour ne pas t'étreindre, c'est pour prier que tu ne partes pas. Je t'aime encore malgré l'hiver. La déception de Moïse, ou bien près, pavé d'y rêver. Tu m'as sauvé des eaux, et tu m'appelles Moïse. Tu m'as choisi au milieu d'une grande crise, pour être le libérateur d'un peuple en esclavage. J'ai répondu avec force et courage. J'ai passé le plus grand test de ma vie. La mer rouge, où Pharaon et son armée ont péri. C'est pas qu'il reste bouleversé, pas bouleversé, à qu'on peuple qui a crié pour de l'eau à manger.
tête moins bouillie, pi mal par son bouteille m'habille. Ou madame pour monter dans mes tons d'effet quand on t'a écrit bon moi tout sauvé. Tandis que, dans la vallée de l'oubli, c'était la débauche. Le cœur de ce peuple devait plus dur qu'une roche. Indignation, moi qui touille, moi. Ou comme ça. Mais qu'on n'aime pas comprendre qu'il soit abdim là. Bien prêt, pavé dérivé, et mes amis, papito, c'était vrai. Quoi, éternel, tu me fais voir la terre promise et tu me dis que tu n'y entreras pas, Moïse. Souviens-toi que tu allais détruire cette assemblée. J'ai tenu une plaidoirie pour la sauver. Dans cette plaidoirie pour le peuple, ne t'avais-je pas dit d'effacer mon nom dans ton livre de vie? Je n'avais pas consenti de laisser la chaleur de Madian pour perdre la douceur de Canaan. Mais pour qu'il ne soit pas dit ça depuis avant, qu'on s'en t'a déjà connu ou t'a fait fil à l'angle. Ou à songer, on va même vouloir fourrer comme l'embagaille ça. Rélé ça, c'est bataille ou bataille avec pour mettre là. Mais je n'ai jamais dit, ou pas qu'à faire ça. Ou pas qu'à dire que mon papi était là. Après tout mauvais sang, on fait une fête avec Pep courriel ça. C'est pour m'aller, pour ma chita, pour me prendre un pomme dans le pays promesse là. Bien pris, pas mes dérivés, mes amis. Là, c'est vrai. Parce que j'avais frappé le rocher auquel tu m'avais demandé de parler. Mais tout ceci pour permettre à ton peuple de se désaltérer. Mais en le faisant, c'est le prix de mon espérance que j'ai payé. Pourquoi ne m'avais-tu pas laissé avec ma femme et mes enfants comme un simple berger? Ou mon plat chef, mon campé, m'a gardé un pays comme observateur. M'a gardé un thème rémé, m'a pas bougé comme un bekeke. Père éternel. Vous n'avez pas compris, ce n'est pas place que mon occupé dans l'amour là, qui a fait une promesse là, non? Mais c'est cela qui obéit à la parole. L'homme le plus patient, moi, Moïse. J'ai pas foulé la terre promise parce qu'une fois j'avais désobéi à ce que Dieu m'avait dit. Et toi, penses-tu entrer dans la Canaan céleste en continuant à désobéir sans cesse? Penses-tu entrer dans la Canaan céleste en continuant à désobéir sans cesse? Non. Vous campez? Vous êtes là? Vous pas entré? Vous êtes tout prêt? Vous pas arrivé? Parce que bien prêt, pas vite arrivé. Attends et laisse passer le temps. La patience, la confiance et la persévérance sont de bonnes travailleuses. Garde-les à ton service. La hâte, l'impatience ne sont jamais arrivées à rien de grand et la beauté n'est pas l'œuvre d'une minute. Regarde la nature. D'un enfant, elle fait un grand.
D'un gland, elle fait un chêne. Mais combien d'heures doivent s'ajouter aux heures? Combien de jours aux jours pour que l'enfant devienne grand et le gland devienne chêne? Regarde le jardin. Il y a de l'ombre sur la pelouse, du gravier sur le chemin, des fleurs un peu partout. Tu n'as qu'à les cueillir. Mais pour qu'il y ait de l'ombre sur la pelouse, il a fallu que les arbres grandissent. Pour qu'il y ait du gravier sur le chemin et des fleurs un peu partout, il a fallu que quelqu'un retourne la terre y mettre de la graine et des plantes. Puis le temps passe, ce faiseur de miracles. Regarde cet édifice. Ce n'est pas la baguette magique d'une bonne fée qui l'a fait sortir de terre aussi grandiose et magnifique. C'est la peine des travailleurs. Le courage des artistes. L'effort des uns, l'inspiration des autres, puis le temps passe. Pour la croissance et pour l'avancement, ne t'énerve pas contre la lenteur de la maturité. Ne t'énerve pas contre la lenteur du progrès. Ne te révolte pas contre ton prochain qui n'est pas encore devenu ce qu'il devrait être. Ne te révolte pas contre la vie qui ne t'a pas encore donné ce que tu attendais d'elle. Tout semble si lent à venir. Et c'est bien qu'il soit ainsi, car la patience, la confiance et la persévérance sont de bonnes travailleuses. Garde-les à ton service. La hâte, l'impatience ne sont jamais arrivées à rien de grand et la beauté n'est pas l'œuvre d'une minute. Alors, attends et laisse passer le temps. Let daylight dry your tears. I'm here
Ce récital a presque un caractère universel, parce que celle qui vient de nous charmer, elle est coréenne, du sud ou du nord, je ne sais trop, mais elle est coréenne. Mais Simone, dis-moi pourquoi. Quelle belle voix, elle m'a transportée au septième ciel. Reviens sur terre et dis-moi pourquoi. Mais le « Dis-moi pourquoi », c'est un poème de Fritz Lérisson qui demandait pourquoi on ne peut pas être soi-même en présence des autres. Pourquoi prétendre être ce qu'on n'est pas? Et surtout, pourquoi nous manquons d'amour envers notre prochain? Daniel Dupré va nous déclamer ces vers « Dis-moi pourquoi ». Mais toi, Doudou, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Qui vas-tu nous Bon, je dirais avec Daniel, c'est comme si on pourrait dire maintenant « Abat les masques ». Les masques sont tombés. Puisque les masques sont tombés, c'est le moment de dire « Grand merci ». Il y a qu'on dit là, merci pour le soleil, là. Merci pour la lune, merci pour ces oiseaux qui ont gazouillé, merci pour Diffia, merci pour de l'eau, merci pour ça douce, merci pour ça grand-mère, merci pour un paquet de bagailles. Et je ne sais pas si quelqu'un qui est capable de dire merci pour toutes les bagailles, que maman. Nous sommes l'Immaculée, Jean. Nous sommes dans le programme qui était avant, c'est Madame Antoine Jean. C'est un membre carillon des jeunes. Et puis en plus, c'est un monde qui soutient l'église au rêve, qui est au rêve dans Kelly. D'ailleurs, si vous dites merci, il faut que vous rêve dans Kelly. Et ça pourrait être l'essentiel, pas vrai, Michose? Oui, mais. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est d'être aimé. L'essentiel, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est ressentir dans son cœur de l'amour un jour et pour toujours. Un chant magnifique qui transcende le temps, ce chant de Ginette Renaud, mais ce soir qui nous sera interprété par Caroline Holland. Quelle belle sélection! Mais oui. Bien avant, et c'est beau. Mais bien avant, nous avons Noël de l'enfance, Noël de mon enfance. Noël, ce sera bientôt, dans 2 mois, ce sera Noël. Alors, ça nous voilà pourquoi nous n'allons pas le dire ce soir, Simone. Comme c'est dans 2 mois, nous préférons attendre qu'arrivent ces 2 mois. Ah! Et à ce moment, nous parlerons aux gens de la Noël de notre enfance. Mais pour ce soir, on va se contenter de dire, ah ben les masques, du moins, dis-moi pourquoi. Grand merci. Et puis, l'essentiel. Nous souhaitons une bonne audition à ceux qui nous écoutent. Dis-moi pourquoi je suis souvent si triste. Pourquoi dois-je être masqué de quelques beaux sourires pour chasser ma douleur, mes peines et mes soupirs? Dis-moi pourquoi. Mais dis-moi donc. Le sol semble s'effacer sous mes pas. J'avance péniblement dans ce monde trompeur à la recherche d'une vie, à la recherche d'une cité peuplée non de Dieu, d'une cité peuplée non de saints, mais d'hommes et de femmes, de vrais hommes, de vraies femmes, des hommes et des femmes pour qui l'on n'a pas besoin d'être constamment masqué sous peine de se voir ridiculisé, humilié, maltraité. L'Église se refuge de pécheurs, est-elle divisée? De ci, église de blanc, de là, église de nègre. Dis-moi tout bas, pourquoi jette ton regard scrutateur sur le complet d'une sœur, sur le costume d'un frère, avant de lui presser la main? Je t'en supplie, dis-moi seulement pourquoi. Grand merci. Bel grand merci, pas l'argent. Mais bel grand merci, c'est l'isaïe. C'est comme ça, bon chrétien vivant montrer qu'il n'a pas oublié les bienfaits. Et c'est pour ça que tout petit bon Dieu t'a dû dire grand merci. Oui, n'a dit grand merci, papa, grand merci, grand maître. Grand merci pour le soleil. Pour le soleil éclairé dans le temps grand journée. Soleil qui éclairait innocent, con coupable. Soleil qui levait au pipirit chantant. Soleil midi, soleil chauffé, chauffé soleil. Soleil couché dans la brume du soir.
Remercie pour la ligne. La ligne, la go, la go. Trois fois passé là, c'est la dernière qui restait là. La ligne tire compte. Cri, crac. La ligne avec soleil. Ça ou pipito. Remercie pour étoiles. Étoiles qui pendent dans le ciel. Tant qu'on a tête gridap devant bac, machin de fritaille. Remercie pour du feu. Du feu qui cuit, du feu qui grillé, du feu qui fond, du feu qui boule, du feu qui bouille, boucané, du feu bois, du feu charbon, trois pieds du feu. Remercie pour la pluie qui mouille tes sec, rafraîchit pays chaud. Remercie pour la pluie qui fait graines lever, qui fait plante pousser, qui fait manger donner. La pluie qui baille de l'eau la rivière, de l'eau source, de l'eau la mer. Oui, papa, remercie pour de l'eau. De l'eau qui lave, de l'eau qui trempe, de l'eau qui foubi, de l'eau qui rince. Remercie pour tout zèbre. Tout zèbre dans le bord grand chemin. Tout zèbre matelas maléré. Zèbre manger les animaux. Remercie pour lion enragé, belle flèche dans quétail, bête volaille dans rat bois. Remercie pour pied bois, graine bois, feuille en bois, feuille dité, feuille tisane, feuille remède. Remercie pour pied bois, bois dibout, bois piro, bois qui fait caille, bois qui fait meb, bois qui fait sekeil, sekeil cajou. C'est qu'elle m'a doulé. Remercie pour tes oiseaux. Tes oiseaux dans le ciel qui t'a fait voler. Oiseaux chanter la mitan la nuit. Oiseaux chanter la devant jour. Coq chanter cocorico. Remercie pour récolte café. Récolte café, 5 copes de plus. Ou misère du moins. Remercie pour les animaux. Les animaux dans la caille, les animaux dans le parc, les animaux dans la cohabitation, les animaux de pattes, les animaux quatre pattes, les animaux dans la savane. Remercie pour la vie. La vie dans le bon temps, la vie dans le mauvais temps. La vie monde de bien, la vie vagabond. La vie en l'air, la vie en bas de terre, la vie en bas de l'eau. La vie verdité. L'année allée, l'année venue. Nous pas mourir, nous pas craser. Grand merci, grand maître. Grand merci, papa. Grand merci pour Zekai ou retirer nan jemouin. Touel noue l'ignorance ou racher sous tête moins. Grand merci. Pour Jésus, monde de bien, qui mourit pour sans ave, tant pour moi. Remercie pour ça me connaît. Remercie pour ça me pas connaît. Remercie pour ça me dit. Remercie pour ça me pas dit. Oui, papa bon Dieu. Moi, je veux dire, grand merci. Comptez pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner, ne plus s'appartenir, en être rassuré. C'est voir la joie de l'autre et comble de bonheur. Mériter sa confiance,
force et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens et d'attendu le soir et courir en chemin. Les deux plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air de mots gentils. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe pas. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Un mélange savoureux, une voix merveilleuse, des paroles profondes. J'apprends à témoin notre ami Ranseg. Qu'en dis-tu, Ranseg? En très peu de mots. Bien, écoute, Ginette Queneau, c'est quand même l'une des grandes voix du Canada. Mmh. Et être servi de cette manière, bien, c'est un morceau d'anthologie. C'est du rêve. D'anthologie. Tu as bien dit. D'anthologie. Et sais-tu que ce texte, j'ai lu quelque part, a été écrit par Charles Aznavour? Cela ne m'étonne pas. Oui, si je mange, je m'en après cette lecture, mais je l'ai lu, c'était hier, pas plus tard, que ce texte a été écrit par Charles Aznavour, l'essentiel. Mais tu sais, et j'appelle une autre amie, celle qui nous accompagne et de qui je viens de recevoir un compliment, d'un autre ami qui est avec moi ici dans le studio, qui m'a dit, mais qui est cette personne? Je lui ai dit, t'as entendu Ranseg la présenter? C'est la Michel Rose. Donc ça fait une combinaison encore savoureuse, pour ne pas dire un cocktail non, je ne vais pas dire voluptueux, ce n'est pas bien de le dire, mais quand même c'est bien, c'est Michel Rose, voilà, je viens de te présenter à nouveau et de dire à mon ami qui a posé la question que ton nom lui-même porte déjà tout le poids de la poésie et de ce récital et tout ce qui pourrait se passer entre l'homme et la femme, pas vrai Michel Rose? Absolument, absolument. D'ailleurs, mon nom vient d'une poésie, une poésie de mon papa. Je suis l'unique fille de mon père et il a toujours déclamé, même le jour de mon mariage, elle est ma rose. Et cette rose se détache de moi aujourd'hui. Alors, je suis le fruit d'une poésie. Et tant pis pour ton mari s'il en prend ombrage. Tu es la rose de ton père, c'est bien. Qui va nous revenir, c'est celle de Margaret Léveillé, Maggie encore, qui va nous dire ce qui se passe entre l'homme et la femme lorsqu'ils s'aiment, et lorsqu'ils s'aiment vraiment. L'amour, c'est plus que des « je t'aime ».
mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et toujours dans la même veine, Simone. Oui, dans la même veine. Leslie va nous dire aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut. Aimer, c'est donner un sens à sa vie. Aimer, c'est se donner corps et âme, sans réserve, sans rien attendre en retour. Dieu est amour. Et quand Dieu nous donne ce genre d'amour, on aime avec toute la force de son être, on aime même en se sacrifiant. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Qui peut le mieux? Amour, Dieu a créé quoi? Qui? Et on va continuer parce que je pense que nous allons prendre cet honneur, Simone. Dieu créa l'homme, mais ça n'a pas pris de temps pour qu'il crée la femme. Dieu créa la femme. Oui. Et la femme. Et... beauté. Dieu va, mesdames. Dites Dieu vous. Non, continue. Tais-toi. Continue, Michel. Exact. Vive la femme. Mon honneur. Vas-y, Michel. Continue. On aurait tant à dire sur cette merveilleuse création, mais ce n'est pas à nous de nous lancer ces fleurs ce soir. Ce sera à Marlène Brutus de parler de ce texte, de raconter. Dieu créa la femme. Oui. Qui va le faire pour nous? Et ses yeux pétillants de malice. Et elle va nous dire comment Dieu créa la femme. Entre l'homme et la femme, aimé par Georges Berthomieux, mais dit par Leslie Théodore, Dieu créa la femme. Certains le diraient comme un mal nécessaire, mais je dirais comme un bien dont nous avons toujours besoin. Avec Marlène Brutus. Amusez-vous, chers amis. Prenez plaisir. Tu oses dire ça? Toujours un mal nécessaire, tu oses dire ça? Tu auras affaire à moi. Après le. Il va regretter ses mots. Il va regretter ses mots. Ça, c'est sûr. Mesdames, taisez-vous, laissez-moi apprendre comment Dieu vous a créé. Place aux auditeurs et aux diseurs. Entre l'homme et la femme. Ce n'est pas quand je dis « je t'aime » que je t'aime. C'est bien plus loin. C'est bien plus fort. C'est au bout de mes mots que s'écrit le poème. Il est fait de ton âme. Il est fait de ton corps. Du temps que tu m'as pris au temps de ma jeunesse. Du temps que tu me donnes et redonne sans cesse. L'amour entre nous deux s'est fait de lui-même, comme au printemps naissent les fleurs. Nous avons tout donné, mais c'était pour tout prendre. La raison du plus fort n'était plus la meilleure, mais il faut chaque jour vaincre les différences. Rien n'est jamais fini pour que l'amour demeure. Tu restes à mes côtés, la vie prend l'avance. Nous connaissons les jours par cœur et nous avons connu les faits et les nuits blanches qui préparaient la vie, le plaisir, le bonheur. Les journées font le temps du lundi au dimanche. Qu'en est-il entre nous de la fuite des heures? Cher amour de ma vie, atténue ma peine. Sans tout à fait m'appartenir, tu as toujours été ma joie la plus prochaine. La vie nous fait défaut. Comment la retenir et faire de l'instant notre plus beau domaine et faire comme si tout allait revenir. Ce n'est pas quand je dis « je t'aime »
que je t'aime, c'est bien plus loin. C'est bien plus fort. Aimer. Et ça, c'est d'une vie pour investir ton cœur. Tes yeux mouillés de pluie semblent émus de bonheur. Mais si je ne dis rien, mes deux mains en silence remplacent tous ces riens qu'à tout vent l'on balance. Moi, je n'ai pas appris toutes ces belles phrases, ce maintien de dandy, ce verbe, cette emphase. Ton corps est un clavier où je crée ma sonate. Mon cœur est un brasier où se forge la pâte de cet amour naissant que je sens s'éveiller dans les frémissements de ton corps tout entier. Je voudrais te donner beaucoup plus que moi-même et je voudrais t'aimer sans te dire que je t'aime car pour parler d'amour il n'y a plus de mots. On les a tour à tour traînés dans les ruisseaux. Tes yeux sont les soleils qui éclairent mon monde. Et ta bouche la merveille où mes lèvres se fondent. Et tes mains sur mon corps en disent beaucoup plus que ce qu'on dit à corps et à Christ, tant et plus. Si je n'ai pas appris toutes ces envolées de ces amours et pris le temps d'une soirée, c'est que je veux t'aimer année, mois et puis jour, minute après minute, et ceci pour toujours. Je réinventerai pour toi la nouvelle arche où l'on pourra s'aimer après mille démarches. Et mes doigts sur ta bouche, je pourrai te parler après mille retouches et presque autant d'essais. Je reconquérirai chaque jour plus encore cet amour qui semblait la veille sûr et fort. Ton corps est un clavier où chaque jour sans faute, je réaccorderai mes notes avec tes notes. Pour arriver enfin à jouer en commun ce concerto d'amour qui n'aura pas de fin. Et s'il faut t'inonder de violence et d'éclat, dans mon corps tout entier tu feras tout ça. Je te violenterai sous d'ardentes caresses et je te couvrirai de trésors, de tendresse en promenant mes yeux, ma bouche et puis ma main sur ton corps peu à peu sorti de son écran. Et l'on partagera nos soucis, nos problèmes. Et puis j'apprendrai à aimer ce que tu aimes. Et sur le même bord et par le même élan, on liera nos deux sorts jusqu'à la fin des temps. D'un chez nous, on fera une sorte d'église où l'on pourra s'aimer et vivre à sa guise. Où tu seras autel, offrande et célébrant. Où tu seras ma belle. Et puis moi, ton amant. La création de la femme. Alors, Dieu prit la rondeur de la lune, l'ondulation du serpent, le caquet du jet, la souplesse du roseau, la chaleur du feu et la fraîcheur de la glace. Il mit tout cela dans un sac, le tissa, le mêla et le secoua. Puis, un beau matin, en fit sortir la femme. Oh! Elle était belle, gracieuse et séduisante. Dieu, fier de son œuvre, en fit présent à l'homme. 8 jours plus tard, l'homme revint vers Dieu et lui dit, « Seigneur, la créature que tu m'as donnée empoisonne mon existence. » Elle pleure et rit tout à la fois. Elle est inquiète, capricieuse, jalouse, insupportable et elle se lamente pour rien. Je t'en prie, Seigneur,
reprends-la, car je ne puis vivre avec elle. Dieu paternel, reprenez la femme et la remet dans son sac. 8 jours plus tard, l'homme revient vers Dieu et lui dit, « Seigneur, ma vie est si solitaire depuis que je te remis ta créature. Elle chantait et jouait si bien avec moi. Et quelle expression au fond des yeux quand elle me regardait sans détourner la tête. Il n'y a sous le ciel, sur la terre, sur les arbres, aucun fruit qui soit agréable comme ses caresses. Je t'en prie, Seigneur, rends-la moi, car je ne puis vivre sans elle. Dieu reprit la femme et la remit à l'homme. 8 jours plus tard, Dieu fonça les sourcils en voyant l'homme renoncer avec la femme, tout en la poussant devant lui, en s'écriant, « Seigneur, Seigneur, cette fois c'est pour de bon. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. » À ces mots, Dieu s'écria, « Retourne dans ta hutte avec ta compagne et apprends à la supporter. » Car si je la reprends, dans 8 jours, tu reviendrais pour la revoir. L'homme retourne en gémissant. Malheureux que je suis, 1000 fois malheureux, je ne puis vivre avec elle et je ne peux pas vivre sans elle. Au programme était inscrit un slameur exceptionnel dont malheureusement nous avions perdu la trace. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas ajouter ce morceau qui aurait fait varier encore dans le sens le plus délicieux du terme, ce plat que nous sommes en train d'apprêter ensemble. Mais ce sera pour une autre fois. En attendant que je vous dise, d'ailleurs, notre ami Ranseg avait commencé à en parler, que les jeunes d'Oreb, à un certain moment, se réunissaient dans ces genres de forums. À l'époque, le mot forum n'était pas encore à la mode. On se réunissait dans des salons, on parlait de salons de Rambouillet, peut-être même une réplique de ce genre de salon, parce qu'ils ne se disaient pas le centre de la culture, mais quand même, ils se considéraient comme des gens assez avancés qui avaient ce goût, qui pratiquaient ce goût pour ce qui est culture, pour tout ce qui est raffiné, pour tout ce qui permet à l'homme de se retrouver en lui-même, de se reconnaître dans sa valeur, tout en prenant le temps de remercier Dieu d'avoir fait de lui ce qu'il est. À travers les âges, nous dit-on, il est remarqué que Oreb a donné naissance à des jeunes qui s'intéressaient et qui s'intéressent encore, malgré les difficultés dans lesquelles ils pataugent aujourd'hui, ils s'intéressent encore à la poésie, la musique. Et à l'époque, c'était surtout l'art dramatique. Il y avait Serge Vernet, Lucien Vernet, Suze Vernet, Faro. Et tous, ils écrivaient, puis, non seulement ils écrivaient, mais ils mettaient également en scène des piécettes qui relataient les activités courantes de l'Église. L'existentiel faisait partie, était présent dans ce qu'ils produisaient aussi, les histoires bibliques. Certains jeunes même avaient commencé à... Alors, ils étaient déjà dans les classes humanitaires. Ils y prirent goût à ce qui se faisait, à la littérature, et puis ils se lançaient dans des projets tantôt collectifs qu'individuels. Mais ce n'est pas l'individualisme au sens d'égocentrique, au sens d'égoïsme, non. Justement pour se prouver à soi-même ce qu'on pouvait faire, quelle dimension de sa personne on pouvait atteindre
Et comment est-ce qu'on pouvait se dépasser pour ajouter de la valeur à ce qu'on faisait? Il y avait parmi ces jeunes une qui s'est dit, d'ailleurs, vous avez déjà entendu parler d'elle, je veux parler de, à l'époque, elle était Ginette Luma. Bon, aujourd'hui, nous l'appelons Lady G, et puis elle est Ginette Luma, Théodore, et puis on met un docteur après. Et elle se proposa de former une sorte de réplique des salons littéraires de Madame de Rambouillet. Vous allez dire que c'était audacieux, c'était osé, mais je pense qu'elle avait réussi son pari en réunissant chez elle quelques jeunes pour ce projet. Il y avait également Ezer Blanc, vous vous souvenez d'Ezer Blanc, et qui découvrit chez lui le goût pour la déclamation poétique. Quand il déclamait les vers, c'était sensationnel. Il disait des poèmes quand il en avait l'occasion. C'était pour lui comme une sorte de passe-temps qui devenait presque une habitude. Il y avait Samuel Sylvain. Si quelqu'un qui a vécu à cette époque n'a jamais entendu parler de Samuel Sylvain, permettez que je vous dise, c'est parce que cette personne a vécu dans une grotte. Oh non, on ne pouvait pas être adventiste à cette époque, que ce soit à Horeb ou ailleurs, et prétendre ne pas savoir qui était Samuel Sylvain, poète dans l'âme, qui écrivait, qui déclamait de nombreux poèmes, enseignait aux jeunes les règles de la composition poétique et surtout les règles des vers canoniques. Que de gros mots, mais c'est vrai, tout ce que je vous dis. Il leur enseignait aussi les règles des vers canoniques, de la tragédie, de la poésie classique, des alexandrins, enfin. Il y avait d'autres jeunes, il y avait les Dupré. Ah, il y en a une représentante avec nous, Simone. Bonsoir, Simone. Une fois encore, je te dis bonsoir. Il y avait les Dupré. Vous avez entendu également et son frère déclamer, dire à bas les masques. Et en particulier, il y avait Daniel et Simone, je viens de les citer, qui évoluaient dans l'art déclamatoire avec un club qui, dont le sigle était ASCAD, dirigé par le fameux poète et diseur Feu Fritz Lérisson. D'autres jeunes ont émergé, parmi lesquels Leslie Théodore. Et est-ce qu'il... On t'imagine, mais il est encore jeune, très jeune aujourd'hui. Il est un jeune vieux, non, un jeune docteur. Leslie Théodore, il faisait partie de cette escouade, quoi. Il fréquentait, Leslie, ces jeunes-là fréquentaient également les cours d'art dramatique organisés par la compagnie Gérard Résil et autres dramaturges haïtiens. À Horeb, on a offert le premier récital de poèmes, et ce qui a été préparé et présenté par un groupe de jeunes parmi lesquels il y avait Ginette Luma, aujourd'hui Ginette Théodore, Dominique de Bégon. Mais où est-il notre ami Dominique? Dominique de Bégon, Parnell Noël, Leslie Théodore et tant d'autres. J'étais pas là encore, je vous assure. Pour une première, un coup d'essai, c'était un coup de maître. C'était un succès, disait-on. Bon, il y avait des plus jeunes qui se signalaient dans l'art déclamatoire. Il y avait Luce Brice sous la direction de son feu père, Bristol Brice, d'autres jeunes encore se signalaient dans la poésie et la littérature. Mimose Fabien, il faut bien citer Mimose Fabien, Janine de Bégon, Linas Valcourt, Marie-Lucie Trénard, et plus tard, Kétia Louverture et tant d'autres. Ce sont des noms qui se passent de présentation. Voilà pourquoi je vous laisse le soin de les découvrir. D'ailleurs, je me demande, si vous cliquez, si vous allez chercher dans l'un de ces moteurs Google, si Google ne vous en dira pas beaucoup plus que moi. Ils sont célèbres, ces jeunes. Ils étaient, ils le sont encore. Cette liste est adressée au gré du souvenir. Et aussi, elle est loin d'être exhaustive. Plus tard, naquit au Horeb, un fameux club littéraire. Et qui était comme un bien de l'Église, mais aussi un bien du département de la jeunesse. D'alors, c'était le club Rayon d'Or, dirigé pendant plusieurs années par la dynamique Mimose Fabien. Et puis d'autres jeunes sont venus après, se signalèrent par, dans l'art de bien écrire, dans l'art oratoire, parmi lesquels nous trouvons le regretté Wilfried Mentor et son frère, qui le représente dignement, Renseg Mentor, et votre serviteur, Yvain Jérôme. J'ai eu à diriger le club Rayon d'Or et crois-moi, si je peux vous parler ainsi, je pense que je le dois aussi, non seulement à l'Église adventiste, dont je suis fier d'être membre, mais c'est également à ce fameux club littéraire. Il y avait Nancy Alexandre, Edzia Colin et tant d'autres et tant d'autres. Vous voyez, si je devais vous parler de ce qu'on a vécu au Horeb en matière de culture, de littérature ou autre, je vous assure que 61 ans encore ne suffiraient pas. N'est-ce pas, Renseg? Est-ce que je mens? Je suis tout à fait d'accord. Combien nous faudrait prendre de temps pour parler encore de rêve s'il fallait le faire ce soir? S'il fallait commencer à partir de ce soir? 61 ans ne suffirait pas. 61 ans, je l'ai dit. Et je suis certain que ce n'est pas Simone qui va nous dire que ce n'est pas vrai. Simone? Il faudrait plus de 61 ans parce que nous avons beaucoup fait quand même à Horeb.
Nous avons beaucoup accompli là-bas. C'était merveilleux, Horeb. En fait, les autres églises nous jalousaient parce qu'ils voulaient avoir le... Non, il ne faut pas le dire ça. Ce soir, il ne faut pas faire des mécontents. Nous devons ouvrir les bras et accueillir tout le monde parce que c'est nous qui recevons. C'est nous qui recevons, s'il te plaît. Ils voulaient la même paternité. Ils voulaient avoir le même engouement. C'était si bien à Horeb. Je ne sais pas quoi dire. Dans ce cas, tu ne dis rien. On ferme la parenthèse. Et je vous demande de vous applaudir pour ce que vous avez fait, pour tous ces jeunes-là que nous venons de citer et qui le méritent effectivement. Et pour les autres, nous n'avons pas oublié les noms, mais la liste serait trop longue. Mesdames et messieurs, pour rendre hommage à ces jeunes qui ont contribué à faire d'Horeb ce que cette église est encore aujourd'hui et à m'aider à devenir ce que je suis aujourd'hui, je vous offre, je ne dis même pas nous vous offre, non, je préfère dire Simone, Michrose, Renseg et moi, nous vous offrons une pièce classique qui a vécu avec le temps et qui a connu un succès merveilleux. C'est tiré de cet opéra qu'on appelle Habanera Carmen, Habanera, bam, bam, bam. Et vous allez voir, avec Nancy Toussaint, ça va faire vraiment boum. Toi.
si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime. J'ai cru entendre Maria Callas dans Casta Diva. Ça paraît prétentieux de le dire pour une voix d'Oreb, mais cette voix me rappelle Maria Callas. Mm-hmm. C'est extraordinaire. Cela signifie vraiment que Oreb, c'est un vivier de talent. Simone, le millénium, c'est un moment attendu par les chrétiens. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Le Millennium est un poème écrit par Fritz Lérisson. Et c'est basé sur Apocalypse 20 et Apocalypse 21. La première partie de ce poème décrit la condition de Lucifer quand l'ange est descendu et l'a emprisonné pour 1000 ans. Daniel va nous dire ce poème. C'est un poème qui est composé de deux parties. La première partie, c'est l'emprisonnement du diable. Et ensuite, on aura la deuxième partie qui est sa relâche. Il a été sorti de prison. Alors, on nous a écouté. Fritz Lérisson a vraiment bien compris le thème de l'Apocalypse 20. Et en écoutant le poème, vous allez pouvoir vous retrouver dans l'Apocalypse. Alors, Daniel va nous dire la première partie du poème qui est le millénium. Alors, après Daniel, si je comprends bien mes choses, il y a très probablement l'art de bien vieillir. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Effectivement, on dira plutôt vieillir en beauté. Présenté vieillir en beauté. Est-ce que je dois dire que c'est tout comme Simone qui rajeunit en beauté? Alors, c'est gentil, c'est très gentil de ta part. Mais c'est réel. Attention mes choses, pas d'impair. Simone ne rajeunit pas. Simone, c'est un éternel printemps. Simone est toujours jeune. Je suis comme la fleur immortelle. Voilà. Une fleur immortelle. Donc, tu nous disais, une chose. Alors, justement, ça sera Vieillir en beauté, présenté par Yasmine Pompée. OK, d'accord. Yasmine Pompée. Nous avons Vieillir en beauté. Avant Vieillir en beauté, nous avons le millénium qui nous sera dit par Daniel Dupré. Mais avant Daniel Dupré et avant Vieillir en beauté, nous allons avoir un dialogue. Un dialogue que nous pouvons qualifier de dialogue et amoureux. Et il y a un texte qui a retenu l'attention de Simone et la mienne très probablement, que tu es trop jeune, Michose, pour le connaître. C'est une chanson de Mireille Mathieu qui disait « Les ennuis de la vie deviennent tragédie pour un cœur sans amour. Même sous le ciel bleu, il pleut toujours un peu pour un cœur sans amour. Et malgré ses lumières, la rue est un désert pour un cœur sans amour, car il n'y peut chercher le visage espéré, le rire de son amour. » Et en fin de compte, l'amour n'est pas un. L'amour a toujours un vis-à-vis. L'amour n'est pas solitaire. Et ce soir, nous allons en avoir la preuve avec deux de nos amis. Un ami que nous avons déjà entendu, le docteur Leslie Théodore, et Ginette Luma Théodore. Donc ce couple, c'est un couple à la ville, c'est-à-dire ils sont couple dans la vie. Et
Dans un premier temps, Ginette va nous dire « Je suis une femme », un texte de Bella Coeci, et Leslie Théodore va dire « À une femme ». Ensuite, Ginette va nous dire « Une femme amoureuse », c'est un texte qu'elle a écrit elle-même, et Leslie Théodore va nous dire « Je chante une femme », et devant ces deux noms, vous mettez « Docteur ». Maintenant, à vous, Leslie et Ginette, et après, Daniel et Vieillir en beauté. Je reste déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant d'avoir confiance en mes capacités. Je sais qui je suis et je sais quelle est l'immensité de ma valeur. Je suis une femme qui pardonne. Je suis libre, audacieuse, entreprenante, indépendante et soumise. Ma devise, douceur, humilité, sagesse, foi et persévérance. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui transforme, celle qui encourage et qui fructifie. Je suis généreuse. Je donne sans rien attendre en retour. Je suis une femme. Quelle que soit ma couleur de peau, que je sois née d'une famille riche ou pauvre, je suis une reine et je suis destinée à réussir car je suis une femme. Femme. Amour, amour, amour est plus fort. Amour, 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 tu l'amas. Elle a dans ses beaux yeux l'amour et son empire. Ainsi tout s'ennoblit sous son regard charmeur. Devant une telle grâce, on se retourne et l'admire. Et quand elle vous regarde, on sent trembler son cœur. On sent ses yeux fermés par la honte ou la peur. Et de ne plus la voir, le cœur tout bas soupire. L'orgueil fuit devant elle et la colère expire. Oui, je chante la femme, je chante en son honneur. Et prends soin d'elle, prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle, sois lui fidèle. Je méprisais l'amour, ses détours, ses caprices. Face aux troubles du cœur et ses intempéries, résistant hardiment
à toutes mes émotions, même les plus profondes, même les plus rebelles, intrépides, téméraires. Oui, je le suis encore. Pourtant, de l'innocence à la maturité, j'ai écouté la voix du plus profond de moi et fini par comprendre les vrais désirs du cœur. C'était au crépuscule d'un beau matin d'automne. Je me suis réveillée en sursaut. Les rêveurs, les battements de mon cœur au rythme crescendo palpitaient, galopaient jusqu'à l'embrasement. Sous cette pression ardente de choc électrisant, un violent coup de foudre frappa mon pauvre cœur, transperçant tout à tout les fibres de mon être, de cellule en cellule, jusqu'au renouvellement. Envahi d'émotions, je hurlais, je lançais ce cri libérateur. C'était un cri d'amour qui chavira mon cœur, sorti de son écrin, me comblant de tendresse, d'affection, de caresse. Et enfin, toi et moi, sur cette scène magique, heureux, nous y sommes liés. Dans notre nid à nous, enferme-toi, double tour, dans mon cœur, je t'en prie, voguant vers les rivages de notre vie à deux. Je suis une femme rebelle, cela m'en est égal, mais une femme amoureuse, toute remplie de toi. Jouons-nous d'être unis, sans regret, sans partage. Aimons-nous chaque jour. Aimons-nous pour toujours. Femme, si j'étais roi, je donnerais l'empire et mon sceptre et mon char et mon peuple à genoux et ma couronne d'or et mes bains de porphyre et mes flottes à qui la mer ne peut suffire pour un baiser de Troie. Si j'étais Dieu, la terre, l'air et puis les ondes, les anges, les démons courbés devant ma loi et le profond chaos aux entrailles fécondes, l'éternité, l'espace et les cieux et les mondes, pour un regard de vous. Oui, je chante la femme, je chante en son honneur. Mais où sont-ils, mes serviteurs, mes très fidèles adorateurs? Belzébuth, mon prince, où donc t'es-tu caché? Toi qui m'amusais tant de ta sublime méchanceté, toi qui faisais pleurer les femmes, toi qui faisais gémir les hommes, ces terriens entêtés qui se disent chrétiens,
comme si nous ne l'avions pas connu nous, comme si je ne m'étais pas habitué à les voir entourés d'anges avec ses airs de grand seigneur, moi le diable Satan ancien. Belzébuth, rassemble nos légions, mais où es-tu? Je suis bien triste aujourd'hui. Et j'ai soif de quelques grands cris de désespoir, de ces cris déchirants mêlés de larmes. Mon prince, fais couler beaucoup de sang sur la surface de la terre. Que mes débiteurs payent. Ces menteurs, ces vaniteux, ces orgueilleux, ces débauchés, ces avares, je leur ai donné assez d'or qu'ils payent. Le firmament est encore d'un bleu tendre, orné de cirrus de cumulus blanc. La terre transpire encore de fraîcheur et de rosée, et les arbres entendent encore la musique éternelle du feuillage sur la terre des hommes. Et quel beau décor pour des tentations en masse. Pique-nique, bal de nudis, rendez-vous d'adultère, quel gâchis! Et je suis seul, tout seul, sans un ministre, sans un suppôt, sans personne à tenter, personne à séduire. Les élus sont enlevés, les amis enterrés. Quelle chaîne, quel supplice! Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie! Que de semaines, que de mois, que d'années, que de siècles, mille ans à flâner, à m'ennuyer seul comme un nez sur un large visage. Mais que vois-je? Cette merveilleuse clarté, mais ils reviennent! Qu'ils reviennent, ces rachetés de Jésus! Si seulement le Saint du Très-Haut n'était pas venu souffrir pour les hommes, si seulement ils n'offraient pas à tous ceux qui croyaient en lui le salut, si seulement ils avaient consenti à se prosterner à mes pieds pour m'adorer, je les aurais tués tous. Mais nombreux se sont efforcés à observer les commandements de Dieu et la foi en son fils Jésus. Mais la terre remue. Et voici Belzébuth, debout mes damnés, debout tout ce que j'ai enrichi, debout, debout pour le grand rassemblement de tous les damnés de la terre. Dénombrez-vous à Gog, dénombrez-vous à Magog. Vous êtes la plus puissante des armées depuis que la terre tourne autour du soleil. Vous avez pour officiers les plus cruels conquérants de la terre. Pour généraux, d'invincibles anges déchus. Et pour général en chef, moi Lucifer, moi le diable Satan ancien. Debout! Ensemble, nous allons prendre de force la sainte cité et ses élus desquels touchera le sol. Mais du feu, du soufre, du feu ardent nous tombe en avalanche. Mais que dis-je? C'est une averse de feu et de soufre. Notre puissante armée, en un clin d'œil, s'est consumée. Mais que dis-je? Dieu, vous étiez si bon. Dieu, je vous ai fâché. Dieu, je me suis rebellé. Dieu, vous avez gagné. Je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. Ah! Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regrets, sans regarder l'heure. C'est aller de l'avant, arrêter d'avoir peur, car à chaque âge se rattache un bonheur. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps, le garder sain en dedans, beau en dehors. Ne jamais abdiquer devant un effort. L'âge n'a rien à voir avec la mort. Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie peut être douce et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. Vieillir en beauté,
c'est vieillir positivement. Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. Être fier d'avoir les cheveux blancs. Car pour être heureux, on a encore le temps. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, savoir donner sans rien attendre en retour. Car où que l'on soit, à l'aube du jour, il y a quelqu'un à qui dire bonjour. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir, être content de soi en se couchant le soir. Et lorsque viendra le point de non-recevoir, se dire qu'au fond, ce n'est qu'un revoir. Ne regrette pas de vieillir, c'est un privilège. Refuser à beaucoup. Vieillir en beauté de Félix Leclerc. Oui, là, je pense qu'on peut dire que l'on reconnaît la griffe canadienne et même la griffe québécoise. Les auteurs canadiens ont quelque chose, ce quelque chose qui les différencie. Et ce texte de Félix Leclerc est là pour le confirmer. Je pense, Simone Michaud, que nous sommes arrivés à l'un de ces moments que les jeunes d'Horeb n'aimaient pas particulièrement. C'est quand on annonçait la fin du programme. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. All I ask of you. Cela vous dit quelque chose? Mais c'est pas près du de la scène de Phantom of the Opera? Je pose la question Phantom aussi, oui. Je retiens la question. C'est de là qu'on a pris cette partie, ce chant of All I Ask of You. Michaud, tu peux nous dire quelque chose de plus sur ça? Et toi, Michaud, cela te dit Je suis impatiente de découvrir, je l'apprends de Alors, Simone, je suis impatiente de découvrir le morceau. C'est une sélection musicale et oui. All I Ask of You de Andrew Lloyd que nous allons entendre. Mais avant, il y a, je crois, la plus jeune du programme qui attend en coulisses. Samsara te dit quelque chose, Michaud. Oui. Mais oui. Elle est au programme. Mais oui. Exactement. Oh, c'est super. Exactement. Elle est au programme, elle attend en coulisses et elle va nous interpréter un morceau en italien, O mio bambino caro. Oh, c'est une sélection musicale de Giacomo Puccini. Puccini. Et une fois que nous aurons entendu Samsara, eh bien, nous entendrons All I Ask of You de Andrew Lloyd. Oh,
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, vous venez d'assister à une performance artistique exceptionnelle présentée par nos talentueux diseurs, diseuses et chanteuses de musique classique et d'opéra. La présentation artistique de ce soir a été magnifique, extraordinaire. Nous avions été ravis et émerveillés. Ces étoiles nous ont charmés et nous ont transportés jusqu'au troisième ciel. Nous aimerions y rester en leur compagnie, mais il est temps qu'elles retournent à leur demeure à travers les astres. Que les sentiments d'amour et d'amitié qui vous ont été instillés à travers leur présentation de chants et de poèmes vous animent et vous servent dans vos rapports intimes et amicaux. Mettre fin à un spectacle si formidable n'est pas chose facile.
Nous aurions souhaité suspendre les heures, les minutes et les secondes pour arriver à cristalliser ce moment précieux de répit et de joie que nous venons d'expérimenter. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes que des passagers au bord de la caravane du temps. Il est sage de profiter des beaux moments de notre vie pour bien les utiliser comme nous l'avions fait ce soir. Profiter du temps avant qu'il s'efface. Savourons-nous donc des rapides délices, des plus beaux de nos jours, comme a dit l'auteur. Nous espérons que les traînées étincelantes de nos étoiles continuent à nous réchauffer, nous animer de joie, jusqu'à ce qu'elles nous reviennent dans un futur non lointain. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite du programme. Nous leur sommes infiniment reconnaissants. Nos remerciements vont premièrement à nos diseurs, diseuses, cantatrices, pour leur performance extraordinaire. Merci pour vos sacrifices consentis afin de faire réussir ce programme. Merci à nos maîtres de cérémonie qui ont si bien animé et vivifié l'ambiance. Merci à Doudou, Simone, Ranseg, et plus spécialement à notre animatrice invitée spéciale, Michose Filosca de Montréal. Elle est une amie, une alliée, une personne très talentueuse. Merci d'avoir accepté notre invitation, Michose. Nous t'apprécions tous. Merci à tous nos téléspectateurs et internautes sur la plateforme de MEODH, YouTube, Zoom et autres réseaux sociaux. Sans vous, cette performance ne serait pas possible. Merci à notre équipe, les membres du comité de l'Association des Orébiens, qui se sont donné corps et âme pour mettre sur pied toutes les parties du programme de cette journée, et tout particulièrement celle du récital. Ils sont passionnés et fidèles à leurs tâches et à leurs postes. Merci, chers collaborateurs. Un remerciement spécial à Pasteur d'Haïti, le président de MEODH YouTube Station. Il a fait des sacrifices énormes à travers des heures et de services de support pour assurer le succès du programme, non seulement dans l'utilisation de la technologie, mais aussi dans la coordination pour une présentation hors de l'ordinaire. Il tient à cœur la réussite du programme des Orébiens. Il est un Orébien fidèle et loyal. Permettez-moi d'adresser une pensée spéciale pour une de nos supporters qui ne pouvait pas participer comme prévu au programme de ce soir. Elle nous manque bien. Son nom, c'est Thérèse Noël, une cantatrice hors pair. Nous lui sommes reconnaissants pour sa dévotion, pour le service, sa générosité, son support constant dans tout ce que nous organisons pour l'Église et la communauté. Nous prions Dieu de prendre soin d'elle et de lui faire don d'une bonne santé et qu'il la fortifie. Et enfin, nos remerciements à tous au nom de l'Humanitarian Association of Orébiens and Friends. Nous vous aimons de tout notre cœur. Bonsoir à tous et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.
je voudrais te remercier, Simone. Tu connais, en fait, les mots me manquent. Oui, c'est ça les sentiments de famille. Tu me fais toujours rougir. Je t'envoie des chrysanthèmes blancs. Je t'envoie des chrysanthèmes blancs. J'ai retenu le langage. Ciao. Quant à toi, Michose, je veux le redire, eh bien, pour moi, ce coup d'essai, c'est un coup de maître. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Ce fut un agréable plaisir. Je remercie également mon ami, notre complice, qui a dirigé cette soirée avec Maestria Doudou, qui a dû nous laisser. Mais sans lui, ce programme ne serait pas ce qu'il est ce soir. Oui. Comme nous commençons nos programmes par la prière, nous allons terminer par la prière. Avant, je voudrais dire quand même merci à Michose. C'est la première fois que nous faisons quelque chose de ce genre ensemble. Et comme tu as dit, c'est un coup de maître. Le premier essai, bien fait, Michose. Merci pour ta présence. Merci, Renseg. Je sais que pour toi, il doit être 4 heures du matin, là où tu es. Oui, dans ces eaux-là, il est 3h30. Donc, c'est un sacrifice que tu as fait pour être avec nous. Et nous te remercions sincèrement. Et notre complice, comme tu viens de dire, Doudou, qui n'a pas pu rester avec nous, il est spécial. Ne sois pas jaloux de ce que je dis, une chose pareille. Ne sois pas jaloux. Mais il est spécial. Donc, nous remercions Michose, nous te remercions aussi. Et nous remercions l'équipe d'OREB qui nous a invités à participer à cette soirée. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Alors, merci à toi, Simone. Excuse-moi, Michose, n'en prends pas ombrage, mais je ne me sacrifie jamais pour être avec toi, Simone. C'est gentil, merci, j'apprécie. Tu sais que mon Renseg, c'est mon petit frère. Tu le sais. Tu ne le savais pas. En fait, non, je disons savais frère, pas. Simone. Oui? Hmm? Disons frère, parce que quand tu dis petit, non, il y a la notion d'âge qui rentre en compte. Non, je suis l'aîné. Tu es mon petit frère. Frère de sang? Tiens. Êtes-vous des frères de sang? L'adoption. Nous avons vraiment des liens de famille. Voilà, nous avons quelqu'un qui est cher entre Simone et moi. Mais elle a dit, tu es plus petit. Et oui, il est plus jeune. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Oui, avant de prononcer la prière, je veux quand même remercier nos amis et Ginette et Leslie Théodore. Généralement, quand ils font les remerciements, ils ne se remercient pas. Mais tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons ensemble, eh bien, nous pouvons dire, c'est aussi grâce à la bonne volonté de Ginette et de Leslie, et nous voulons leur souhaiter longue vie. Oui. Je vais vous inviter donc à incliner la tête pour la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, merci pour cette soirée que nous avons passée, soirée pendant laquelle nous avons utilisé les capacités que tu nous as données. Tu as fait des dons à tes enfants, mais nous avons le sentiment que tu as comblé les Orébiens de talents, de sorte que tu attends également plus de nous. Merci pour ce programme que nous avons pu réaliser à ta gloire. Merci pour ces moments
de réjouissance que nous avons partagé après avoir partagé en d'autres circonstances des larmes. Merci Seigneur de nous aimer. Merci de nous garder sur le chemin de l'éternité. Merci pour les dispositions que tu as données à la chaîne MEODH qui nous a aidés dans la conception de ce programme. Pardonne les péchés que nous avons commis contre toi et nous voulons te remettre l'avenir de notre collaboration. Que ton nom soit béni et glorifié. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. 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 Et une bonne nuit. À la prochaine, Rancet. À la prochaine. Merci à tous nos auditeurs prochaine. Ce soir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Le secours, il me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il me permettra que ton pied chancelle, lui qui garde Israël. Non, il ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Il gardera ton âme, ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mon secours, mon secours, mon secours. Ton pied chancelle, celui qui garde Israël. Non, il ne sommeille.